Bonjour Christophe. Bonjour. Alors on vient voir la nouvelle technologie dans l'agriculture. Oh, c'est un drone. Oui. D'accord. Alors à quoi il vous sert ce drone actuellement? Alors le drone il sert à faire de la cartographie sur les champs. Donc prendre des photos des champs pour savoir quelle quantité d'azote il faut mettre et à quel endroit il faut le mettre. Alors, l'Île-de-France est le grenier à blé de la France. Ouais. À savoir que essentiellement en Île-de-France on utilise de la céréale, donc du blé, de l'orge, du colza, de la pois et des betteraves sucrières. Alors moi ici j'exploite 50 hectares de blé et donc ce blé va être vendu à la coopérative, puis la coopérative va le vendre à une meunerie, puis la meunerie va en faire de la farine pour faire du pain. D'accord. Qui sera vendu en Île-de-France. On achète chez le boulanger. Voilà. Ok, bon allons faire un petit vol en drone alors. On y va. Cartographier mes parcelles. Alors cartographier en fait c'est créer une photo du champ et en fait ces photos là vont nous permettre de savoir à quel endroit il faut apporter à manger à la plante, à quel endroit et en quelle quantité en fait. C'est à dire que le drone va passer au dessus de la parcelle et à peu près à toutes les secondes va faire une photo du champ. Il prend une photo qui en réalité on prend quatre, une rouge, une verte, une infrarouge et une proche infrarouge. Ensuite ces photos là on va les recueillir. Elles sont géolocalisées, on va les recueillir, on les met sur un ordinateur. L'ordinateur va les assembler, les mouliner, comme on peut dire dans le terme technique, et va nous sortir ce qu'on appelle une cartographie. Donc là, on aura une analyse précise de à quel endroit je dois rajouter de l'azote et en quelle quantité je dois en mettre. C'est une économie aussi bien environnementale, économie financière et un gain au niveau qualité des récoltes. Une fois que le drone a pris les photos, voilà ce que ça donne. Un truc un peu tout bizarre avec okay. Des couleurs toutes bizarres et en fin de compte chaque point de couleur représente une quantité de biomasse. La biomasse c'est le taux de feuilles, enfin le volume de feuilles qu'il y a sur la culture en fait. Ok. Et en gros voilà, voilà la carte qu'on obtient du vol que vous venez de faire. Par exemple pour du blé ce sera pas la biomasse qui va être analysée, c'est surtout le taux de chlorophylle en fait qui va être mesuré. Ok. Et donc vous, c'est essentiellement du blé. Voilà. Moi, c'est essentiellement du blé et je fais donc un peu de colza comme le champ que vous avez survolé tout à l'heure. Ok, donc ça, les images, c'est du champ de colza. C'est des champs qu'on a survolé tout à l'heure, voilà.